Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Salut à tous, c'est Chérica, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le Phoenix, la suite de l'aventure de Ratchet & Clank. Donc on s'était laissé avec Clank qui se faisait courser par le robot de... par le robot carrément. Victor Bognon a réussi à infiltrer le Phoenix, nous devons abandonner le pont. Donc là on essaye de se barrer. Peux-tu accéder au système anti-incendie du vaisseau? C'est vraiment pas... C'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas compliqué. Un enfant de 5 ans, il peut y arriver. Enfin, je dis ça et puis si je crève, franchement, j'aurai les boules. Mais non, franchement, c'est vraiment... C'est vraiment pas dur. C'est vraiment simple, t'as juste à courir. Voilà, ça c'est fait. Je suis dans la salle des machines. Tu vas d'abord devoir activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le courant. Toutefois, les générateurs ont besoin d'énergie supplémentaire pour démarrer. Tu penses pouvoir y arriver? Ok. Je m'en occupe. Alors là, t'as besoin de 3. Où es-tu, anomalie? D'accord. Et là, pareil, t'as besoin de 3. On va déjà aller voir là-bas ce qui se passe. Merde, je l'ai mal fait. C'est pas ce que je voulais faire. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Puissance maximale. Super. Le deuxième maintenant. Déployer 3 escadrons. Vaisseau à 3, 4 et 11. Il ne lâche pas. L'incendie est en train de gagner du terrain. Alors oui, je sais, c'est pas le plus simple, mais... Voilà, tu vas comprendre pourquoi je vais le faire comme ça. Voilà. Oh, t'es sérieux toi? Donc là, je suis obligé d'aller récupérer là-bas lui. Voilà.
On le met en position. Voilà, on en a le deuxième, il est là. Le troisième, il est là aussi. Et voilà. Alors là, tu vois, j'ai été quand même assez vite à faire ça. La première fois, j'ai galéré au moins pendant une bonne heure. Avant de trouver comment... quelle méthode fallait utiliser, hein. Ce que j'avais prévu. J'aurais dû te jeter moi-même dans l'incinérateur quand on était sur Quarto. Enfin, ça va, quand c'est Clank, tu vois, c'est... Je me suis trompé de touche. Ça arrive. Même au meilleur d'entre nous, ça arrive. Non, ça, je me suis trompé de touche. Ah, putain, la honte. Ce que j'avais prévu. J'aurais dû te jeter moi-même dans l'incinérateur quand on était sur Quarto. Qu'on règle ça entre robots de guerre civilisés. J'ai mon pouce qui glisse du joystick, c'est un truc de fou. Merde. Là, saute dedans. Oh putain, j'ai eu de la chatte. On a encore eu de la chance. Quoi? Merci, Elaris. J'ai atteint la salle de contrôle d'urgence. Ah ouais, il est chaud lui. Je m'en charge. Toi, tu continues à aider les Rangers. L'incendie est en train de gagner du terrain. Je sais plus dans quel sens fallait le faire. Est-ce que j'en ai encore là-bas? J'en ai que un. Donc lui, il est chaud. Ok, j'ai compris. Ce dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. Ah putain, c'est pas facile. Ah
Ce dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. Je vais trop vite. Hein. Je doute que ce vieux coucou tienne longtemps. Un petit peu de logique et c'est bon, ça passe. Alors là, il y en aura 3 à monter. Je vais en monter déjà 2. Ouais, si c'est bon. Edouard. Le dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. Et de deux. Et de trois. Puissance maximale. Fantastique. Les pompes sont activées. L'interrupteur anti-incendie est à l'arrière du vaisseau. Vas-y, vite. Je vais t'écraser, te découper en rondelles. Mais ta gueule pour voir. Bah ben, si. Là, appuie sur l'interrupteur. Système anti-incendie activé. Donc le petit passage avec l'Ankh est terminé. Donc à mon avis je t'aurais peut-être fait un petit montage pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais te mettre le déplanétiseur avec l'Ankh. Victor et KO, quel est ton statut? J'ai trouvé un accès au déplanétiseur. Je me dirige vers la salle du broyeur d'étoiles. Le gang graviton à 35. Oh, on n'y est pas loin. Ça, ça a été fait. T'as pas besoin de galérer. En même temps, on augmente l'arme. Il faut 4 touches.
balèze en sniper en fait. Attends, faut pas que je m'approche trop. Ouais. Bah le robot est mouru, ça a été vite. Il y a des trucs que je peux pas faire, je suis tout seul. On prépare déjà l'arme, on sait jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà mes 35 000 pour la prochaine arme. Non mais vous pensez vraiment pouvoir rester là à jouer aux cartes pendant que les autres crachent et clanquent? Mettez-vous au boulot avant que je ne vous fasse éjecter dans l'espace. Alors là, ça va aller vite quand même. On ramasse encore quelques petits boulons. Ouais, mais mec, t'arrives, tu m'agresses tout de suite. Tu crois que je vais te balancer une petite arme de merde là? Non, non, c'est mort. En même temps, tu joues contre Chichi quoi. T'as déjà perdu d'avance? Et en pro, on dit que c'est moi qui est prévisible. Voilà. Il y a peut-être un terminal de crocheteur dans le coin. On ramasse encore. Oh bon, on a déjà fait le tour. Le truc de crocheteur est là. Allez, on va se casser la tête encore un petit peu. Lui serait bon. Maintenant, lui, si je le mets là. Pour moi, il serait bon. Oh, lui, il a pas été dur. Lui est vraiment simple. Ça, c'est bon, ça. T'as trouvé le capitaine Quark? Encore. J'espère qu'il va bien. Continue de chercher. Il est quelque part sur le vaisseau. Coordonnées de tir du déplanétiseur verrouillé. Cible Novalis. Retrouvez-le et éliminez-le à tout prix.
puissance du déplanétiseur à 50%. Tu vois, c'était facile. Alors c'est vraiment que je me casse pas la tête, hein. Si je voudrais je prendrais la tourelle. Je fais une petite économie sur les balles. Mais cette arme là, c'est tellement pratique. C'est un truc de fou. En fait l'arme là elle est vraiment trop cheatée pour, bah, pour le niveau. Faudrait faire ça en niveau All Stars ou je sais pas quoi. Moi tu vois, enfin tu trouves un niveau. Enfin, faudrait le faire entre 5 et 10 fois pire, tu vois. En niveau, ça serait bien. Cora des reliques, c'est originaire de Novel. Moi, c'est presque trop beau. Non seulement c'est une planète de premier choix pour créer la nouvelle Quartou, mais en plus, je vais pouvoir détruire le monde natal d'un Ranger galactique. Oh, c'est un couple gagnant. Puissance du déplanétiseur à 75%. Oh toi. Des petites bouboules, on récupère des disques. La fameuse carte. Putain, j'allais passer à côté. C'est vraiment pas grave. Comment ça se passe? Je rencontre de la résistance, mais je m'en sors. Alors comme ça, tu as réussi à atteindre mon bureau. Belle performance, mais ta petite escapade touche à sa fin. Allez, on est reparti pour un décrocheteur. Voilà, alors en logique, lui, il irait là. Lui, moi, je mettrais nulle part. Et je mettrais les deux là. Sinon je mets les deux là et puis... Voilà. J'ai pas fait exprès, c'est pas ce que je voulais faire. Mais on va dire que... avec le bénéfice du doute, c'est bon ça. Des dizaines de planètes plates, forgées non pas par la nature, mais par mon entreprise. Nous allons créer tout un empire à partir des restes des planètes de votre galaxie. La plupart de vos citoyens vont sans doute se retrouver sans toi, ou même sans... Mais dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Bon sang, ça lui arrive de se taire. Alors là, t'as un boulon au-dessus. Je sais pas comment le récupérer. Les planètes que Drake compte détruire. On doit l'en empêcher. Grâce à nos super lasers de sécurité, tu ne feras pas un pas plus. Ah,
Tu me prends pour un homme, toi. C'est ça que vous appelez le top du top ? Passez prendre votre chèque à la compta et ne revenez pas demain ! Encore des robots ! Anéantissez-moi ce maudit lombard ! Et tant que vous y êtes, amenez-moi l'anomalie ! Je vais en faire quelque chose d'utile. Comme l'attraper, l'un de ces petits appareils qui vous aide à vous endormir le soir. Alors là, ça a été vite. Lui aussi, ça a été vite. Voilà, orpelle plein de munitions. Tant que tu peux. Bon, on sait que c'est par là. On continue à avancer. On casse le, un petit peu le décor. Bon, on n'a plus le choix. Allez, le pont n'est plus très loin. Alors, on va finir d'augmenter lui. Donc il me restait les deux là à faire. Et on va finir ça. Ok. Lui, il était faux max. Lui, bientôt. Lui, je crois qu'il était faux max aussi. Maintenant, un autre qui va bien me servir, c'est Va-t'en guerre et... En fait, ils vont tous me servir, donc... Ah, peut-être lui, pour faire plus de dégâts encore. Allez, on peut augmenter lui. Bon, ça sera fait. Moi, lui, c'est fait. Fais honneur à la réputation du grand ravageur. Il se dirige vers le terminal du broyeur d'étoile. Arrêtez-le immédiatement. Bon sang, ça fait beaucoup de temps. Alors quand je te disais que les 10 c'était ça changeait la life, voilà, tu le vois direct. Hein. Tu balances un petit peu les disques. Voilà des renforts blindes. Puissance maximale atteinte, paré à tirer. En attente des ordres du président Drake. Voilà, on arrive au bout. Vous
là. Ça va être ramassé. On finit de faire le tour. Hein. Oh là là, c'est quoi le délire? Non mais de où tu me tires de là-bas toi? J'ai combien de tanks là? Lui on va l'enlever, on va mettre lui, ce sera peut-être plus simple. Voilà, avoir ça de la chatte. Bien, mais s'il me reste que 5 PV, mais c'est mort, je vais me faire toucher direct. Puis, voilà, c'est ce que je disais. Et ces enculés, ils vont... Ah, je vais faire le plein tout de suite de munitions. Ah, et puis faut recommencer à chaque fois. Sur deux mois. Ah, je suis encore plus de merde. Ok. On refait le plein de munitions. Et on perd pas de temps. Il
Puis après, je vais se remonter pour voir. Bon sang, ça fait beaucoup de temps. Puissance maximale atteinte, parée à tirer. En attente des ordres du président Drake. Ratchet, tu dois le désactiver. Ne laissez pas approcher du terminal du broyeur d'étoiles. Là, ça a été fait. Donc là, maintenant, je vais devoir prendre le snipe pour me faire les gros connards là-bas. Allez, refaire un petit peu le plein de munitions. Des fois ça te paraît super compliqué et là t'arrives du premier coup, ça va, ça passe tranquille, pépère, impeccable, bien. Donc tu te demandes alors on est revenu à Velda. Donc bah comme tu l'as vu dans la cinématique, enfin je sais pas si elle a été coupée pour toi parce que sur ce jeu il y a pas mal de trucs avec les droits d'auteur. Quoi de neuf? Le noyau d'Umbris est fait de tétragène pur. Son explosion serait un désastre. D'après le calendrier céleste de Solana, une importante conjonction planétaire va avoir lieu cette nuit. Si Umbris est détruite, le système tout entier disparaîtra avec elle.
Le docteur Nefarious s'est juste servi de Drake. Il veut détruire le système pendant que les Rangers en ont la garde. J'ai un plan pour détruire le déplanétiseur pour de bon, mais cette fois on va devoir agir plus discrètement. Je vais avoir besoin d'un peu de matériel. Rends-toi au siège de Gadgetron sur Calibo 3 et je te dirai quoi faire quand il sera. D'accord. On pourrait se procurer un de ces holo-déguiseurs au siège de Gadgetron. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouvera pour la suite de cette aventure sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle. Calibo 3, pardon. Nous demandons à tout le personnel non essentiel de bien vouloir quitter immédiatement les locaux en attendant l'arrivée des autorités. Bon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sheikah.